La voirie urbaine de Kinshasa constitue l'une des priorités du programme Tshilegelu et ABC du président de la République. La route Kimwenza dans la commune de Kelamou en fait partie. Le premier citoyen de la ville a rehaussé de sa présence à la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation de cette chaussée longue de plus de 1400 km, une reconnaissance de l'exécutif provincial au gouvernement central pour son appui à la reconstruction des routes de la capitale. Une route secondaire très sollicitée par les conducteurs en raison d'embouteillage sur la route université. L'avenue Kimwenza va connaître un coup de réhabilitation dans le tronçon compris entre l'avenue Victoire et Kikwits. Le premier des Kinois a pris part au lancement des travaux de réhabilitation de cette célèbre chaussée devenue l'ombre d'elle-même. C'est le ministre d'État aux ITPR, Alexis Guizaro, qui a présidé la cérémonie. Un appui du gouvernement central à l'administration de la ville dans le cadre du projet Tshilegelu et ABC prôné par le président de la République qui offre à la ville de Kinshasa 66 km de route à réhabiliter et à construire. Pas nécessairement mingi pour remonter un gouverneur de la ville à aller visiter Bison à Kauka. Vraiment, c'est pas une macasse comme on a eu, ma camion à chantier, les qui. Comme ça, on s'en a sépé, non, ma casse, n'a sépé, n'a commissé mingi. Pota a tous les carassous, tout le monde, les camoussika. La réhabilitation de cette avenue longue de 1885 km pour lui va désengorger l'avenue de l'université en proie à des embouteillages. Le chef de l'exécutif provincial salue cette détermination de Félix Tshisekedi à faire de ce secteur de la réhabilitation et construction des routes l'une de ses priorités.